Alors, je suis Ruben Skigenior, je suis psychothérapeute et professeur de l'École de psychologie biodynamique française. Je suis juste aujourd'hui à côté de mon très cher ami François Levent, qui est le fondateur, professeur, directeur, thérapeute de l'école, beaucoup de choses, de l'École française de psychologie biodynamique. Et nous sommes dans ce moment-là, dans l'espace de rencontre de thé, Oui. où tous les élèves sont là pour partager, pour entrer dans 6 jours et demi dans ces histoires plus profondément. Oui. Alors, Alors, peut-être ça, tu. oui, c'est ça l'avantage d'être tous ensemble parce que on pourra dire l'homme est un homme. L'homme existe par ses liens au monde. L'homme est un animal de liens. Et ici, il y a du lien. Exactement, exactement. Il y a les liens interpersonnels dans le groupe, les liens avec soi-même, les liens avec l'école, les membres plus longs, avec les formateurs et avec la nature. Et C'est sûr. tu rappelais un homme, très intéressant l'autre jour, un homme occitan, c'est convivios, comprends? Ah, le mot convivius. Convivios. Convivius, c'est un mot qui en français pourrait se traduire par convivialité, mais convivialité est un mot qui vient de l'anglais et qui n'a pas cette richesse. Convivius, ça veut dire exactement vivre ensemble avec ses différences. Oui. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment le sens profond de la thérapie. Souvent, on assimile la thérapie avec le soin, guérir. Mais la plupart des personnes, après la première guérison, ils veulent continuer. Pourquoi? Pour se rencontrer, pour exprimer ce qu'ils sont dans leurs différences. Et la thérapie, c'est apprendre à être avec l'autre, et l'autre, il n'est pas comme nous, et en même temps, il est comme. Oui. Et je pense que ce type de communauté, ce type de rencontre, ça donne la possibilité vraiment de l'agent expérimenter être soi-même dans les milieux de tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est une chose difficile d'être différent dans le monde de ce moment-là, sans C'est vrai. attaquer l'autre qui est différent. Oui, tout à fait. On est de plus en plus dans des systèmes de réseau. On ne connaît que des gens comme nous, à Paris, à New York. Je connais des gens comme moi. Il n'y a plus ces grandes rencontres comme la fête de village, où tout le monde était là, le médecin, l'instituteur, l'architecte, le paysan, les jeunes, les vieux. Il n'y a plus ni les grandes fêtes familiales, ni les grandes fêtes populaires. Et pourtant, comment se réaliser soi-même si je n'ai pas de différence? Comment je peux me rencontrer si tous les autres sont des miroirs de moi-même? Quel ennui. Oui, ben ça c'est vraiment important. Ça même gère la question de ces confronts violents qu'il y a dans le monde entre les gens différents, non? Qui n'acceptent pas l'autre, non? Oui, exactement. Si l'autre est différent, il a tort. Alors, c'est comme si dans la nature, la monoculture. La monoculture fait un système écologique faible. La forêt tropicale est un système écologique fort, parce que tout est différent. So, est-ce qu'on peut dire que les buts de la psychologie biodynamique, c'est aussi d'encontrer ou d'aider l'agent à encontrer sa différence dans le monde, quelque chose comme ça, ou C'est ça te rappelle intéressant, ça ou non? mais je le dirais, aider à rencontrer son nature profonde qui est unique. Qui est unique, exactement. Parce que, comme on travaille beaucoup avec le système végétatif, c'est-à-dire, est-ce que le corps accepte ou pas qu'on soit comme ça? Si je mange quelque chose qui ne me convient pas, je vais être malade. Si je développe ma personnalité d'une manière en contradiction avec mon nature profonde, je vais avoir du mal-être. Et nos repères étant dans ce système autonome, végétatif, quand la peau devient brillante, quand le cœur se calme, quand les mains se relâchent, on sait que quelque chose d'adéquat
vient d'être vécu par la personne. Mmh. Et alors, quand je vis ça, c'est facile de l'affirmer au monde. Parce que c'est, je suis simple avec. C'est quelque chose. Tu sais, quand j'ai écrit mon livre, non, j'ai focalisé spécialement dans trois concepts. Non, les concepts de racinement, d'être debout avec ton corps, les concepts de regarder le monde autour de toi, le système autour de toi, et les concepts de tes émotions profondes, viscérales, qui donnent, tu sais, quand vous êtes OK avec tes émotions, tu te sens centré dans toi-même, non? Et en paix. Et en paix. OK. Alors, la relation entre les trois, ce que c'est important pour travailler, je pense, que de développer une relation dynamique entre ces trois points d'émergence qui viennent dans le corps, la tête, le mouvement et les émotions. Alors, dans ton livre, qu'est-ce que tu penses que c'était une focalisation dans ton livre? Parce que... D'abord, j'aimerais reprendre ta propre focalisation, parce qu'elle me plaît. Souvent, on croit que la thérapie, c'est se regarder soi-même, moi. Beaucoup d'expressions du temps moderne, c'est « je prends du temps pour moi ». Mais ça veut dire quoi? Que je m'isole, je me ferme à clé, ou que je vais boire un coup avec les copains, ou que je lis un livre intéressant. Je suis en accord avec ma nature. Je n'ai pas besoin de prendre du temps pour moi. Je le stocke où? Toutes ces expressions, moi, l'autre, c'est déjà la névrose. C'est-à-dire, si je suis moi, je suis en désagrément avec l'autre. Et si je suis avec l'autre, je suis en désagrément avec moi. C'est un enfer. Et là, tu as parlé. Connexion profonde, connexion avec le monde qui m'entoure et connexion avec le sol. Oui. Ce n'est pas possible d'être qu'en connexion avec moi, mes profondeurs. Je vais être dans quel monde? Ce n'est pas possible d'être en connexion qu'avec le monde ou que debout. Et déjà, je trouve très beau de mettre ensemble, comme tu as mis, ces trois. C'est-à-dire que nous sommes participants au monde, c'est pas... Moi, je fais partie du monde, mais moi, c'est très ennuyeux. Égotistique. Égoïste, narcissique. Et une prison étriquée. Et petit. Si je n'ai pas contact avec cet arbre, avec le ciel, avec l'herbe, avec les oiseaux qui chantent, moi. Oui. Oui, mais au bout de moi, j'en ai marre de me regarder. Hein. Dis-moi. Non, j'ai dit qu'on arrivait dans ces points-là, justement. L'idée primordiale de ce travail que je développe de dialogue, non, que c'est, qu'est-ce que c'est la thérapie? Je pense que tu as déjà parlé pour toi un peu. Qu'est-ce que c'est la thérapie pour toi? Et ça, c'est... Oui. Ce que j'ai développé beaucoup dans les livres, c'est combien par le corps, il y a quelque chose qui n'est pas conditionné. Bien sûr, le corps est conditionné. Mais on pourrait dire dans la hiérarchie, le mental est le premier conditionné. Il faut manger ça, pas ça, il faut dire bonjour comme ça, il faut se comporter comme ça. Deuxièmement, le cœur, il faut aimer de cette manière-là. Et le corps, lui, il est un peu loin. Et donc, à travers lui, on a une puissance de connexion avec l'essence même et de la vie et de nous-mêmes. Parce que, comme la graine contient l'arbre, le corps contient énormément de nos possibles, mais ça a été réprimé. Reich a montré ça, l'armure musculaire, mais Gerda a rajouté l'armure tissulaire. Si on arrive à connecter ces petits encapsulements, une énergie inattendue, nouvelle, mais non pas une amélioration, une chose très nouvelle apparaît. Quelqu'un qui n'a jamais pu s'appeler, avoir confiance en quelqu'un, tout à coup il découvre le relâchement, confiance. Ou quelqu'un qui a honte de sa sexualité, tout à coup il découvre la puissance du masculin, parce qu'on a ouvert. Et je crois que le but même, en tout cas ce qui m'intéresse dans la psychothérapie, bien sûr il y a les personnes qui ont besoin d'être soignées.
Quelqu'un va dans une banque, il y a des gangsters qui rentrent, il n'ose plus sortir dehors, il ne demande pas à changer sa vie. Il demande juste, comment s'est cassé la jambe, je veux remarcher, je veux pouvoir aller dans la rue sans avoir peur. Ok. Mais beaucoup, beaucoup de nos patients demandent autre chose. Dans une vie qui a perdu la spiritualité, qui a perdu les guides, les sens, qui changent tous les deux jours, ils disent, quelle est ma route? Qui suis-je? Comment c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est la vie? Et là, le travail corporel amène un éclairage qui n'est pas idéologique ou conceptuel, mais qui est ressenti. Mais c'est ça l'amour. Ah, mais c'est ça le masculin. Ah, c'est ça la vie. Ah, c'est ça l'autre. Non, tu m'as rappelé une chose très importante que j'ai écoutée, ça fait quelques ans, et qu'il fait beaucoup de sens que là, beaucoup de gens viennent à la thérapie, cherchent la thérapie, et pour quelques raisons quotidiennes. Mais en fait, au-dessous de tout ça, il y a un manque d'amour énorme. Mais qu'est-ce que c'est le manque d'amour? C'est le manque d'attention, non? À cette partie de le soi de l'autre, de la personne, non? Qui était perdue dans l'univers interne, dans l'organisme, dans les muscles, dans la tête, non? C'est réprimé, là. Oui. Et surtout, le manque d'amour de l'enfant à ses besoins, le nombre de connexions à ses besoins, parce que c'est, l'enfant n'est pas un petit adulte. L'enfant va construire sa vision et son adaptation au monde en fonction de ce qu'il vit enfant. Et après, c'est très difficile, adulte, de changer. C'est comme un programme informatique, un système d'exploitation. On peut rajouter des logiciels, mais passer de Windows à Linux, c'est compliqué. Et là, quand on fait la thérapie, on change le système. Ce n'est plus le conditionnement de la famille restreinte avec un père, une mère, quelquefois qu'un seul parent, avec leurs propres difficultés, qui devient le modèle. Mais on reconnecte aux vrais besoins du mammifère, qui est d'être compris, aimé, oui, comme enfant. Et être accepté. Même ce matin, j'ai parlé dans le groupe, c'est avec quelqu'un là, du groupe, je ne me rappelle pas qui, mais je pense que c'est ça applique à tout le monde. Cette question que quelquefois l'enfant, il est obligé de se sentir plus puissant que les parents. Que c'est une maladie énorme, ça. On va dire qu'il a besoin de montrer un pouvoir énorme dans la maison pour être en face des parents. Il s'est illusionné avec ça. Non? Et je dis toujours, les parents sont la barque. Si la barque va mal, on ne peut pas faire la sieste. Oui. L'enfant est sur la barque qui va mal, donc il met toute son énergie pour sauver les parents. Et toute sa vie, il croit qu'il doit sauver les parents, même quand ils sont morts. Et il est prisonnier d'un travail d'Hercule impossible. Le bébé ne peut pas sauver la mère, la pomme ne peut pas sauver le pommier. Oui. Ça, tout ça a créé les drames ou la tragédie. Non? Alors, dans mon travail aussi, François, je pense que la question, on a parlé déjà sur ça beaucoup de fois, la question d'humeur. Non? J'utilise les bonnes humeurs, non? Le rire, en face de beaucoup de choses difficiles dans les procès. Parce que ça crée une élaboration plus profonde, plus légère de procès thérapeutique, en fait, non? Absolument, et ça donne une liberté aussi. Si quand je suis triste, j'entraîne tous mes amis dans la tristesse, c'est mieux si je suis en train de mourir que j'ai quelqu'un de vivant et joyeux à côté de moi que si j'ai quelqu'un qui meurt avec moi. Oui. Ne coulez pas avec moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Restez heureux. Alors je peux aller à fond dans mon histoire. Oui. Sinon, Ce détachement qui donne la liberté, c'est détachement avec important. Compassion, oui, mais détachement. Oui. Avec compassion, exactement. Avec compassion. Ce n'est pas une moquerie, ce n'est pas je m'en fiche, mais c'est ah, là tu vis une difficile histoire. Oui. Et un peu d'humour. Oui. L'humour est une manière de gérer la tragédie. Les Anglais sont très forts avec. Oui, ils sont bons.
On a besoin de quelque chose pour apprendre avec les Anglais. Oui. Et j'aimerais séparer deux choses. Oui. Le drame et la tragédie. Oui, ça c'est important. La tragédie, c'est quand les événements de la vie sont terribles. Ma famille a eu un accident, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon enfant. C'est une tragédie. Et le drame, c'est... Tous les films français actuellement parlent de drame. Je suis un peu fatigué des drames. Je préfère les comédies ou la tragédie. On rentre dans Hippocrate, on rentre dans Socrates, on rentre dans les histoires grecques. Oui, parce que l'histoire de l'homme est quelquefois tragique. Oui. Mais pourquoi fabriquer du drame? Pourquoi toujours se fâcher avec le voisin, se fâcher avec sa femme, fâcher avec les enfants, fâcher avec les parents? Alors, il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais c'est une chance d'avoir des parents, c'est une chance d'avoir une femme, c'est une chance d'avoir des voisins. Oui, mais l'agent a besoin de comprendre ça. Hein. Très différent la drame et la tragédie. Oui. Bon, la psychanalyse ou la psychologie a commencé avec une tragédie, non? La tragédie d'Œdipe. Oui. Et toujours, je me demande une chose. Je me demande, qu'est-ce que sera d'Œdipe sans la tragédie? N'existe pas. Okay. Oui, parce que la tragédie, je veux dire, les épreuves de la vie, on est une société où il faut éviter toute épreuve. On prend les enfants dans l'éducation, il ne faut pas qu'ils fassent ça, il ne faut pas qu'ils fassent ça. N'allez pas vous baigner, c'est dangereux. Ne mangez pas de crème, c'est dangereux. Ne conduisez pas sans votre ceinture. Ne faites pas, n'allez pas dans la montagne, c'est dangereux. N'allez pas. Nous devenons infantiles, nous devenons plus qu'infantiles, nous devenons affaiblis. Oui. J'avais un ami Touareg, il disait, mon cousin dans le désert, il me prend d'une main, il me soulève. C'est le gars qui est dans le désert. Il a une force. Il dit, j'ai pas cette force moi. Lui, il me prend, il me soulève d'une main. Et nous sommes affaiblis, mais vraiment biologiquement, psychologiquement. Nous n'avons plus cette capacité, même de nos parents, d'assumer les difficultés. On a l'eau chaude, l'électricité, l'ascenseur. Et plus difficile de transgresser ces ordres. Parce que la transgression passe à être quelque chose de terrible. Ah, oui. Il y a des transgressions, c'est absolument nécessaire. Hein. Oui, toute création est transgression. Exactement. Tu fais la musique comme avant et t'écoutes le fait nouvelle. C'est une transgression des lois de musique d'avant. Exactement. Exactement. Et tu as besoin de transgresser l'ordre de tes parents aussi, pour être toi-même, non? Et ils le font tout le temps, toujours avec les enfants, quelques années en retard. Ne touche pas à la chaîne IFI, puis on s'aperçoit qu'ils savent. Ne touche pas à ça, mais on s'aperçoit qu'ils savent. On est toujours... ils nous apprennent. Mais je veux revenir au corps. Oui. Parce que la transgression, il y a deux choses. Il y a ceux qui ne savent pas être dans la règle. Eux, ils doivent apprendre à être dans la règle. Non, oui. Ils sont toujours dans la transgression, oui, ils ne sont pas capables. C'est une autre chose. Ils ont une immaturité, exactement. Ils ne sont pas capables de suivre une règle. Mais il y a des domaines où nous devons aller par-delà la règle, et on va être guidé par justement cette puissance intérieure qui nous dit « va plus loin ». Là, tu n'es pas dans le summum de ce que tu dois être. Oui. Et ça, c'est un chemin unique. C'est pas toi qui fais mon chemin, c'est pas moi qui fais ton chemin. En fait, la transgression, c'est quelque chose que tu fais au-delà de l'ordre établi, non? Au-delà de l'ordre établi. Si tu restes seulement dans la transition, c'est infini, c'est illimité, c'est quelque chose sans forme. C'est un chaos. Il n'existe c'est pas. Chaos. Oui, c'est voilà, le chaos. C'est le chaos. Alors que la transgression réelle est une transgression d'un état pour aller à un état plus grand. Pas pour aller à un état moins grand. Oui. C'est pas pour aller vers un désordre, oui. Mais pour aller vers un ordre supérieur, comme les gens qui ont transgressé les règles religieuses dans toutes les histoires qu'on a vues du Moyen-Âge. Il y a ceux qui transgressent comme les criminels, et puis il y a ceux qui transgressent... Comme Spinoza, comme voilà, ils transgressent parce qu'ils ont une connexion plus grande que l'ordre de Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est très magique quand on touche cette liberté personnelle, que ce soit artistique, de connexion au monde. Tout à coup, on est hors des règles du monde connu.
on sort du monde connu, on entre dans cet inattendu, cet inconnu. Et ça, c'est des moments en thérapie, quand les patients ou nous-mêmes, mmh. les étudiants, nous-mêmes. C'est magique. Oui. Comme thérapeute, si on sent ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Ça ouvre les mondes. Ah ça oui, ouvre les mondes. Il y a quelque chose qui vibre mmh. dans la pièce. Oui, oui. Je pars de là les personnes. Peut-être pour aller à finir, je vais dire quelque chose et après tu peux le dire aussi. Je me rappelle quand j'ai commencé la thérapie avec Gerda, je suis très mal et elle regardait moi très doucement dans mes yeux et elle me dit « Regarde, la thérapie c'est un livre ouvert ». C'est ça, la thérapie c'est un livre ouvert. Je vais rajouter quelque chose avec ce livre. Oui. Ce livre est souvent une répétition de l'histoire. Oui. Mais l'histoire, ce n'est pas le passé. L'histoire, c'est ce que je me rappelle du passé. Alors on peut gommer les mauvais souvenirs et les remplacer par des bons souvenirs. Oui. Et même écrire de nouvelles pages. Et l'histoire change tout à fait. Oui, voilà. Et alors, oui, parce que si on change l'histoire, le futur s'ouvre. Oui. Sinon, on tourne en rond. Évidemment qu'au passé, il y a beaucoup de choses très solides, très fortes, non? Mais par exemple, aujourd'hui, on peut dire, par exemple, les 7 péchés capitaux, non? Ils ne sont pas plus 7. Il y a plus de péchés capitaux hein, liés à la société actuelle. Non ouais. Ok. Voilà. Je crois que pour terminer, j'aimerais dire une phrase de Louis Sanza, qui était oui. un chaman. Il disait, le chaman est un homme creux. C'est-à-dire, mettre un peu de côté son petit moi qui nous occupe tout le temps, qui nous préoccupe tout le temps, préoccupé. On met un peu de creux, alors on peut laisser couler l'amour, la vie, et la connaissance, et la conscience. Et c'est plus grand oui. que mes petits soucis. Soyons des hommes creux. Merci François. Merci Rouven, c'est magnifique. Magnifique, merci beaucoup. Ouais. Ok, c'est bon.